Et yo tout le monde, c'est Fiuki Games. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven 1. Donc on est à l'épisode 6, donc on avait vaincu la Royal Academy qui étaient les champions depuis 40 ans, donc ils se sont fait, ils ont déclaré forfait. Donc on est plus fort, donc ça prouve que nous on est les champions. Bon, c'est parti, on repart dans le mode histoire. Après avoir vaincu la Royal Academy, l'équipe d'Oremon affrontera celle d'Occult. 1. Quoi? Axel, tu étais au courant? Non. Autant te prévenir, je ne compte pas rejoindre le club de foot. J'ai fait une exception l'autre fois. Non mais t'es pas sérieux? Il vient jouer avec nous et après il dit « Non, je veux plus jouer avec vous ». Qu'est-ce que tu dis? Axel, attends. L'autre jour, tu as été si... Avec la petite musique derrière. Qu'est-ce qui peut bien lui passer par la tête? Laisse tomber, on a besoin de joueurs motivés. Allons-tu plutôt voir à Wintersea pour tenter d'en apprendre plus sur cette histoire de match? Et dépêchons-nous, sinon on n'aura plus de temps pour de s'entraîner. Kevin, tu n'es vraiment pas dans ton état habituel. Bon, pour l'instant, allons voir en salle de prof. Monsieur Wintersea nous dira si cette histoire de match amical est vraie. Trouver monsieur Wintersea. Donc là, celle des proches, je crois l'avoir vu, il était là-bas. Monsieur Wintersea. Toi. Toi. Il doit être avec le principal dans son bureau au deuxième étage. Ok. Oh, j'arrive pas à passer. Est-ce que j'ai mis courir automatiquement là? Et du coup, c'est un petit peu chiant. Parce que des fois, on n'arrive pas à passer là. Donc, ils ont dit au deuxième étage dans le bureau de qui? Ah non, au deuxième étage, parce qu'avant c'était le rez-de-chaussée. Le deuxième étage, il doit être encore au-dessus. Ah oui, parce qu'il y avait un monsieur devant et tout ça, et il voulait pas nous laisser passer. Maintenant, il veut nous laisser. Oula! J'ai failli. Du coup, on va aller voir Monsieur Wintersea. L'Institut Occulte. Plus je relis leurs propositions, et plus j'ai peur. Refusez cette rencontre et vous serez maudits. Nous sommes très sollicités, mais nous n'avions encore rien reçu d'aussi effrayant. Cependant, monsieur le principal, si vous acceptez, nous échapperons à la malédiction, non? Fire, Will. C'est le feu et Will. Je sais pas ce que fait. Oui. Tant qu'on ne me maudit pas, je n'y vois pas de problème. Très sage décision, monsieur le principal. Avec plus de soucis à se faire. Maintenant, hâtons-nous de leur faire parvenir notre réponse. Une malédiction? Une malédiction? Ça existe vraiment, ce genre de truc? Tiens, qu'y a-t-il, Sylvia? Marc, vite, il y a une fille qui veut devenir manageuse pour le club. C'est une première, dépêche-toi d'aller la voir avant qu'elle ne change d'avis. Bien reçu. En tout cas, le match amical contre l'équipe d'Occulte m'a tout l'air d'être sérieux. Allons voir cette fille avant de débuter l'entraînement. J'espère qu'il est canon. Mais Sylvia, toi aussi, tu es très mignonne, tu sais. Je dois aller au local. Attends, il y avait un truc en haut. On va aller juste en haut. Ah, on est au toit. Bonjour. Draguer, c'est bien se faire des amis. C'est mieux, Draguer.
Allez les gars, à plus. Bonjour. Du coup, on va retourner en bas. Avec la petite musique en fond. Moi je dis, elle rentre un tout petit peu dans la tête. Oh Yanely, c'est elle qui veut venir. Tiens, voilà. Alors comme ça, le prochain match amical a été confirmé. Avec juste une victoire par forfait. J'espère que vous ne vous faites pas trop d'illusions. Mais m'énerve, elle. Ne paradez pas trop après une victoire pareille, cela nuirait à la réputation de l'établissement. J'ai demandé aux élèves du collège de faire leur proposition pour vous remettre à votre place. Pour être tout à fait clair, votre présence nous gâche le paysage. Nous remettre à notre place ? Tu veux dire que les gens vont venir nous défier au foot à chaque fois qu'on met le pied dehors? Tout à fait, c'est le principe des défis, ne les prenez pas à la légère. C'est un minimum si vous voulez résister à la malédiction de l'Institut Occulte. Malédiction d'Occulte? C'est pas vrai, cette histoire. Comment se fait-il que tu sois au courant de tout ça? Eh bien, ça n'a aucune importance. Ah, ça me convient très bien. Plus besoin de s'embêter à chercher des adversaires pour s'entraîner. Quelle motivation. Mais serez-vous seulement capable de rejoindre votre local sain et sauf? De puissants adversaires vous attendent, je vous conseille d'être très vigilant. Oh, on ne pouvait pas rêver mieux. Tant qu'il s'agit de foot, je suis toujours prêt à en découdre. Oh bon, il parle trop. Ah, c'est vraiment pas qu'une histoire en gros. On va vraiment avoir des défis dans la rue dès qu'on va marcher un pas. Oh le chieur. Pourquoi ils ont mis ça? Ça risque d'être casse-couille. Non, c'est un défi. Non. Youpi, on a un défi. Bon, on va le faire. Vas-y. Mais non, mais quel con. Monte, toi t'es attaquant. On va faire un lob. Parce que j'ai vu une étude comme quoi les lobes étaient plus puissants que les tirs. C'est un petit peu chiant les défis. Du coup, c'est où? Ah, c'est au local du club. À l'intérieur? Salut! Félicitations pour le dernier match. Tu as eu l'article qui a été accroché au tableau d'affichage. Hein? C'est toi qui l'as écrit?
Oui, je suis Sylvia Hiss du club de journalistes. Ça vous a surpris de voir que j'avais obtenu ces informations avant vous? Je suis devenue une grande fan du club de foot après avoir vu votre match contre la Royal Academy. C'est pourquoi j'aimerais intégrer le club en tant que match adjoint, si tu le veux bien. Genre, on a fait qu'un match, on attire déjà du monde, tu sais. Je peux faire plein de choses, de la collecte d'infos sur l'adversaire à la lessive de maillot. Fais la lessive de maillot, c'est mieux. Bien sûr, les nouveaux membres sont toujours les bienvenus. Évidemment, j'ai déjà rassemblé. Bon, il parle trop, oui, blablabla. Ils ne me font pas peur, mais sans Axel. Quoi? T'aurais pas oublié qu'il booter ici? Je me charge de battre Occulte. Ouais, mais. Ne vous inquiétez pas, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de membres dans le club. Seulement maintenant, vous m'avez comme adjoint. J'ai pensé à un système permettant de ramener plein de joueurs grâce à mes infos et à mes relations. C'est un système de recrutement rien que pour vous. Système de recrutement? Si vous voulez recruter un joueur mais que vous ne connaissez pas son nom, venez me voir. Bon, blablabla. On doit recruter des joueurs et tout ça. Ah, ok. Ok. Blablabla. Ouais, regardez, il parle trop, il y a trop de dialogues. Il y a tout le temps des dialogues tous les deux secondes. Ah là 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 là. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Aller à la rivière. Du coup, attends, on va la tester. Oui. Parce que j'ai entendu un joueur qui s'appelait Chayan. Do. Et apparemment, c'est le meilleur joueur du jeu, tu sais. Est parti où? Eh oh, t'es où? Bon, j'en sais rien. Donc du coup, on va aller à la rivière, mais je pense qu'on, ça sera vite fait. On va juste faire un truc vite fait. Attends, pas de défi, s'il te plaît, pas de défi. Oh, Axel. Ah, Axel, tu es en train de déjà de chez toi. Bon, je n'arrive plus à articuler. Blablabla. Très bien, mais n'y compte pas trop. Bon, c'est parti, tous à la rivière. Je t'en ficherai des tornades de feu. Avec un peu d'entraînement, moi aussi je devrais pouvoir faire quelque chose. Kevin, il aime pas trop Axel en vrai. La rivière. Ah, c'est ça la rivière. Un escalier de 10 000 km, on dirait qu'on descendait d'un toboggan. Donc du coup, on doit aller où sur la carte? Ah, là-bas. Moi, je suis le chemin. Hein. Bonjour, qui êtes-vous? Vraiment, je dois parler à elle. Mais on va se laisser ici pour cet épisode. Et je vous dis salut à tout le monde. Salut à tous, c'était Zanark Games.